Vous avez certainement une idée bien arrêtée sur la peinture, la sculpture, les artistes. Une idée peut-être un peu trop arrêtée. Viens voir Nico, tu vas halluciner. Comment ? Philippe Pasqua. Charmant. C'est ça la réalité. Toi-même, on est dans un film, là, je jure. Incroyable. Ça va être une très belle expo. Hein. C'est extraordinaire. C'est fou, hein. T'as vu cette finesse? Il nous a tout fait, Philippe. Je t'emmène à nouveau patient. Mais faut déchirer la page, on s'en fout. Je vous en donnerai d'autres, des livres. Ici, c'est la peine, c'est la peine. Voilà, on s'en fout. C'est un peu chaud, il y a du monde. Ah, ça m'excite à mort, moi, c'est tout. J'adore tous ces projets, j'adore ça. Rémi, ça va? Ouais, j'ai bien réceptionné. Non, mais je m'en fous, moi j'ai donné 50 euros, je sais pas si c'était ça ou pas. Mais... Non, il m'a rien dit le mec, c'est bon. Il m'a dit merci, j'étais content. Ok, merci beaucoup Rémi. À bientôt, merci. Tu t'en fous d'être filmé ensuite ou pas? Je m'en fous. Tu t'en fous complet? Pour le film. Ok, t'as expliqué un peu ce qu'on faisait, Nico? La même chose et tu fermes les yeux. Non, mais la tête en l'air. Cette voiture, une idée un jour, Ferrari, gainé de peau, tatoué et plaqué au mur, comme un tableau en volume à la limite, on sait plus si c'est un tableau, une sculpture, on sait plus ce que c'est quoi. Mais ce qui est important, c'est que cette voiture peut vraiment rouler quoi. Voilà, il y a plusieurs vues, tu vois. C'est de la folie, regarde, cette vue est extraordinaire. Même gainé, tatoué, on pourrait s'en servir. Juste que l'idée pour moi, ce serait de l'avoir collée au mur et ne pas y toucher quoi. Juste la contempler, la regarder en tant qu'œuvre d'art, parce que c'est vrai que c'est tellement beau même à regarder. C'est des sculptures, ces voitures, déjà. J'adore travailler dans les opposés comme ça, et c'est ma vie comme ça. Toujours avoir des opposés, quoi. C'était parfait, justement. C'est vraiment pour moi le comble du luxe de ne pas se servir d'une voiture comme ça. Oui, bonjour, c'est Philippe Pasqua, vous allez bien? C'est Philippe. Oui, j'ai déjà dit, c'est Philippe Pasqua. Bon. Laurent, c'est là? Non, on avait rendez-vous, c'est pour ça. Je veux savoir si. Non, mais c'est un gag ou quoi? Non, c'est Philippe Pasqua. Oui, Lolo, ah. C'est une nouvelle là au téléphone ou quoi? Oh, putain, tu restes jusqu'à quelle heure toi au cabinet? Alors, on le remet. Demain? Demain, 17h30. Ça nous va. Thank you.
En fait, on va faire. Tu as des agrafes. Ouais. On va les agrafer. Une fois qu'elle est agrafée, tu m'appelles et on va le faire à trois. Mais il faudra un truc pour les enlever. Vas-y, avance plus loin que ça tombe. Un peu, voilà. Tout de suite. Il nous a tout fait, Philippe. Il nous a fait des trous dans un crâne pour sertir. Je l'avais habillé en dentiste. Il m'a mis de la poussière partout, de crâne, d'os, tout ça. C'était. Il nous a tout fait. Vous avez vu qu'il y en a plein de Philippe ici. Monsieur Passera ? Oui, c'est à vous. C'est à vous. Je t'emmène un nouveau patient. Waouh ! Tu veux quoi, que je lui fasse un bridge ? Je veux que tu fasses deux ici. Tu lui fais deux. Deux trucs en or blanc, là, paf, paf, tu vois. Ah, une couronne ? Ouais. D'accord. Ça prenne toutes les dents. Deux, tu en fais deux, là, genre les deux là. Tu fais les empreintes, okay. Tout pareil. D'accord. Ok. Sandrine, il faut que vous me prépariez de quoi prendre des empreintes. Mais il n'y a que ça. Pas comme ça, on va finir. On prend des empreintes. Elles tiennent les dents là ? Ouais, ouais, tiennent à fond. Hein. Ah, tu fous quoi ? Ah, ben non, ça là, non. Des belles dents, hein. Il n'y a pas l'ombre d'une carie. C'est ça, je l'avais, tu sais, à peu près, dans ce temps. Je sais pas. Je... En Et tout cas, bas, soit il est très jeune. Soit il est. En tout cas, il est mort. Hein. En tout cas, il est mort. Oui. Après, tu sais, Loulou, si on a des idées pour en faire d'autres, que l'œuvre, finalement, ça serait plus de coller papillon pour l'intervention, mais ça serait de lui refaire un truc marrant sur une lampe. Ah, on peut lui mettre un appareil d'ortho. Comment ? Tu sais, avec toutes les braquettes et puis un fil de toutes les couleurs avec des élastiques. On peut le faire là-dessus ? Oui. Tu veux qu'on lui fasse ? Sur un autre, dans ça tu lui fais, je t'en emmène un autre et on lui on fait. Met toutes les braquettes d'ortho dessus et avec un fil d'ortho. J'ai collé la mâchoire en dessous, ça te gêne ou pas ? Non. On ne peut plus le dissocier. On s'en fout. On le fait. Ah oui, on le fait que l'extérieur. Okay. On fait haut en bas. Je t'emmène. Et après on met des élastiques de couleur ouais, et. On fait ça sur l'autre. Ouais, d'accord. Et sur celui-là on fait ce qu'on a dit. Hmm bon, mais hop, je reviens. Il faut que je revienne. Il faut qu'on revienne. C'est nickel. Mais tu travailles toujours avec des véhicules, toujours. Après, je fais mes tirages, je fais mes trucs. Je maîtrise pas encore le reste, moi. Je sais pas comment. Ah, que le numérique, c'est pas. Compliqué pour moi, ouais, de maîtriser tout ce bordel. Là. Je comprends tellement rien, putain. Mets les mains comme ça sur le truc. Parfait, ça bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas.
C'est là. Joli tatouage. Non, on perd pas une occasion. Il n'y en a pas qu'un. C'est pas vrai, il n'y en a pas qu'un. Ah, il y en a sur tout le corps? Non, mais ça te regarde pas. Attends. Philippe, t'as vu? Et là, ça se positionne ici. Géant. Et là, tu mets pas un élastique qui regroupe tout là? Tu veux comme tu veux. Ouais, mets-le. Mais ça, c'est vrai, véridique tout ça? Non. Parce que si c'est véridique, c'est bien. Si c'est pas véridique. Non, c'est pas véridique. Ça... C'est vraiment une décoration. Faut que ce soit la réalité, le truc. Et ben alors, tu le laisses comme ça. On peut le mettre ça, sans ça? Ouais. Ah ben voilà, on doit faire ça. Ok. Un peu bizarre avec toutes ces couleurs en fait. Oh, je vois pas, arrête. Ah si, ça se voit. Ah si, Non, il faut que ce soit. On peut pas mettre un fil en bas aussi? Non. Non, c'est pas assez fort, le truc, c'est pas assez percutant, c'est un peu léger quoi le truc. Ça fait un peu genre, j'ai collé ça, j'ai chopé les perles en Inde, tu vois. Ça fait un peu truc baba cool. De toutes les couleurs, tu veux naturel, ce que l'on fait habituellement. Okay. Parce que là, ça m'a fait un peu bizarre sur le... Tu vois les couleurs, toi? Oh, putain, les voix mort. On laisse tout en couleur acier, tout en type métal. Ouais, tout, ouais. Ok. Tout métal, ouais, ça c'est mieux. Ouais, ça va être fort, tout métal. Sylvain, tu peux tout me nettoyer, hein. Tout, hein, nickel, hein. Tout propre, hein. Dessous. Vous êtes capable de me dire si je devais souder des choses dessous pour pouvoir l'accrocher au mur comme ça, cette voiture? Où est-ce qu'il faudrait? Franchement, non. Donc on débranchera la batterie, on enlèvera tout ce qu'il faut, liquide de frein, liquide de l'huile. L'essence, il y a quoi comme liquide? Il y a l'essence, la batterie, l'huile, sable, le frein, liquide, frein, tout. L'essence, l'eau. L'eau, ok. Ouais. Le moteur, il va tenir comme ça? Oui. Ah oui, oui. Parce qu'elle sera plus comme ça, elle sera comme ça. Ça change rien. C'est pas grave. Ah non, mais ça, c'est pas grave. Vu la charge que t'as sur le côté, quand il tourne, ça, c'est pas grave. Pour la colonne. Thank you.
Non, je vais en Italie surveiller mes sculptures. Tu sais, je suis en train de faire des sculptures énormes, des crânes qui taillent directement dans la montagne avec un robot, un truc de fou. Arrivé là-bas, il y a un hélico, il nous fait survoler les carrières. Et puis je vais travailler là-bas, je vais surveiller un peu le bordel, ça va être magnifique. Au restaurant ou au... Non, ok. Direct à la marbrerie. Ok. C'est incroyable ces montagnes. C'est incroyable. Hein. Ça fait combien? Ça fait des 2000 ans. 2000 ans qu'ils creusent. Ils tapent dans la montagne et qu'ils extraient des morceaux. Il a trop mangé à déjeuner. Non, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai dormi une heure même pas. Je sais même pas si j'ai dormi. Non. Il y a 120 carrières enregistrées. Il y en a une dizaine qui ont le vrai plan statuaire. Et de ces 10, en fait, il y en a deux qui ont un produit top niveau. Et c'est celle de Waltier. Ah ouais, d'accord. C'est pour il ça. Il a les meilleurs, quoi. Il a les meilleures carrières. Ouais. C'est un truc de fou. Avant de me le polir, il faut le... Incroyable. Il faut pas le polir comme... J'adore l'esprit, là, comme ça. Là. Faut le... Peut-être que c'est un truc à faire, ça. Avant de le polir, faut le voir fini. J'ai sorti. Viens voir, Nico. Tu vas halluciner. Pas au travail, moi. Je me lève, je me couche, projet, sculpture, peu importe. Le truc vraiment le plus fort pour moi, c'est vraiment la peinture. J'ai déjà tout avec la peinture, en fait. Tout le reste, c'est des curiosités, des plus pour essayer, pour faire. Mais la base, la fondation, c'est ma peinture, c'est sûr, sûr. Ça, je l'ai vécu, je le sais maintenant, depuis très très longtemps. Je pense que peindre, c'est très égoïste, parce que tu le fais que pour toi, tu le fais pas pour les autres. Après, c'est partagé et très content, mais au départ, il faut être seul pour peindre. Ce
si je dois penser à une personne, c'est José Mugrabi. C'est une vraie rencontre parce que, au-delà de sa réputation, sa notoriété, etc., etc., il y a des gens comme ça, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, tu rencontres et il y a un feeling qui passe plus fort qu'avec un autre et il y a une amitié qui se crée, qui se lie, qui restera, quoi. C'est des moments comme ça, c'est une rencontre avec José, c'est vraiment une rencontre. Il n'a pas vu comment j'ai peint le tableau ni rien, il voit le tableau et il te dit des choses que moi j'ai pu penser quand j'ai fait ce tableau. Avec José, je vais appeler. On va parler à soit Sébastien. Je vais tomber sur sa secrétaire là où je sais pas qui. Sa secrétaire privée s'appelle Esti. Hello. Hey, hello. This is Sebastian Brett. I'm calling on behalf of Philippe Pasqua. And we normally have a little interview with Mr. Mugrabi this afternoon. And we wanted to know when he wants us to come in and just to see the address and etc. Soit aller le voir, elle va voir avec lui. Ah, tu lui as dit pourquoi c'était faire l'interview? Ouais. Ok, parfait. Oh, that's going to be very easy for us, and don't worry about that. We're going to be very punctual, and we really don't need more than that. That's a lot of time for us. Okay. Donc on a de 5h à 5h30, il faut qu'on soit super ponctuel. Il a un schedule très serré, il nous laisse une demi-heure. Magnifique. Parfait, et donc j'ai l'adresse. Donc c'est au bureau Fashion Concept. Ouais. Dormi moi à la voiture. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Hello. Yes, we're outside, so you can come. Il fait partie des 5 plus gros marchands au monde. We're outside of the building at 460. Well done. C'est incroyable. Il est que sur l'art, il achète que de l'art et voilà, okay. Il fait l'art. You know what? Yeah. You can see Mr. Regardez ce que Damien Hirst a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Regardez le nom. Ça va maintenant, arrêtez de filmer. Il y a quelques années, j'étais à Paris. J'étais chez un ami qui avait une peinture. Et j'ai demandé qui a fait cette peinture. Et ils m'ont dit, c'est Philippe Pasqua. Et j'étais très intéressé par son travail. Alors je suis allé le voir, et c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe et ses peintures. Ensuite, nous avons parlé ensemble parce que son travail m'intéressait beaucoup, et je lui ai demandé de me laisser une sorte d'exclusivité sur sa production. Heureusement, nous sommes tombés d'accord et nous avons organisé des expositions à New York et en Allemagne.
Vous savez, l'art n'est pas rationnel. On ne peut pas l'expliquer. Il faut ressentir de l'émotion, il faut ressentir quelque chose de personnel. Personne ne peut expliquer pourquoi on aime ceci ou cela. Ce n'est que de l'émotion. Je pense qu'avec Philippe Pasqua, l'avenir est prometteur. Feuille d'or. Or blanc. Et tu te rappelles ton premier crâne quand tu l'as fait, là, non? Oula, il y a bien longtemps. 97, hein. Ah, ça fait 12 ans. Ouais. Comment? Ça fait 12 ans, en fait. 12 ans. Et tu te rappelles pourquoi t'en as fait un au début, hein? Non. Pas du tout. Je sais jamais pourquoi je fais les trucs. Que ce soit ça ou la peinture. Ou la sculpture. C'est que les impulsions. Je me suis jamais posé la question, là. Trop compliqué la réponse. Plus facile de peindre. Mais c'est vrai que t'es capable de faire 10 000 choses en même temps, en fait, quoi. Ah ouais, ça... Ouais, ouais. Tout le temps, la recherche de trucs. Quoi. Ça m'éclate, quoi, tous ces trucs. Hein. J'adore avoir des idées. Puis les concrétiser, évidemment. Parce que si t'as des idées que tu les fais pas, ce qui est excitant, c'est de les réaliser. Ou ça marche ou que ça marche pas, l'idée, c'est de les passer, quoi. Ça vient d'où, en fait, l'idée des papillons? Je suis venu comme ça, du côté... c'était l'opposé des crânes, de la dureté du truc et de la violence du sujet, tu vois, qui rappelle la mort et tout ça. Et là, je me suis dit, c'était sympa de faire un truc un peu à contresens avec les papillons. Ça fonctionnait vachement bien. C'est esthétique et en même temps, il y a un sens. Non, non, je suis à Paris, là, je bosse quand même à boule, justement, on prépare tous les trucs, là, dans tous les sens. Là, je pars à Venise aujourd'hui pour installer la pièce et tout. Déchargement du crâne. Ok, essaye de faire traîner pour nous attendre pour décharger la pièce. Génial Pierre, à tout à l'heure. Une galerie à Londres avec qui je bosse, qui m'a emmené un jour, qui bossait avec un artiste, avec Mark Quinn là-bas. Il m'a dit viens, je lui ai dit j'avais envie de faire des pièces en marbre, il me vient avec moi. Et puis il me les a présenté. Mais on s'est bien entendu, on a fait une première pièce, ça s'est bien passé, puis on a enchaîné sur la troisième pièce là. Non, la quatrième, pardon. La quatrième, parce que au début j'avais fait une cage. Et j'ai fait trois crânes avec des papillons, une cage. Et là, on va enquiller donc une quatrième pièce à la rentrée qui fera donc 57 tonnes, la fameuse. Le fameux bloc de marbre de 80 tonnes qui a été découpé là. Après, je lance les portraits, j'arrête les crânes. Et je pars sur des... comme je peins, tu vois, je peins que des gens, quoi. Là, je vais sculpter maintenant les gens. Et je vais commencer par trisomique. Ça marche très très bien sur le squelette.
maintenant il faut que je vois comment cette technique peut s'appliquer à la peau. On y va direct. Comme s'il avait été rongé par la mer, tu vois là. Ici, pareil, de l'autre côté, on fait les dents. Et là, tu verras, ça va être magnifique. Ah oui, et ça aussi, ça, il faut le lisser, ça. C'est bien. Moi, ainsi. Non, non, c'est pas, oh, oui. Parce qu'attends, là, on le voit au sol. Il faut le voir posé à cette hauteur-là sur le socle. Imagine. Il va être posé à cette hauteur-là, hein. Ouais. Un mètre d'eau. Moi, il y a vraiment deux approches. Où on veut rendre la base la plus petite possible, oui. C'est-à-dire un cube minimum, avec oui. Trois points d'appui, ou au contraire, on veut un truc qui englobe la totalité de l'œuvre. Je ne suis pas sûr, personnellement, laquelle je préfère. Moi non plus, il faut voir. Et le fait qu'il soit haut comme ça, on voit moins aussi les délires. Parce que là, il fait un peu petit peut-être sur le socle, mais... Ou alors, il faut le descendre un peu. Il est un peu haut. Moi, j'aime la taille du bloc de marbre, eh bien. Elle n'enlève rien, je pense, au crâne, surtout qu'elle n'est même pas de la même couleur. Ce côté-là, c'est trop beau. C'est ce côté. Non, un peu grand, peut-être. Donc la question est, est-ce que quand il est au sol, est-ce qu'on enlève ou est-ce qu'on laisse cette hauteur? Eh ben, il faut, je pense que ça, tu sais quoi, quand tu vois les papillons. On fait un papillon, on pose dessus là-haut, ouais. Au plus haut, c'est-à-dire celui qui va être au centre entre les deux yeux, ouais, ouais. On le pose parce que les ailes sont vraiment comme ça. Ouais. Ça sera le plus haut, le point ouais. Le plus culminant. Et on vérifie. Et on vérifie la hauteur, là, on rectifie. Ok, on fait un essai sur celui-là. Là, il n'y en a pas, là, il y en a un. C'est comme, beau comme comment. Ça. C'est beau, hein, non, je pense. On s'en fout. Il faut pas besoin de symétrie. Non, ça me dérange pas, c'est beau ce côté-là, massif de ce côté-là. Et les dents bien lisses, putain, ça va faire deux matières, l'os et les dents. On décolle là. On a été obligé d'aller jusqu'à... c'est quoi l'aéroport, on est là, c'est Gênes. Parce qu'ils ont pas voulu qu'on décolle de Pise.
Philippe m'a dit qu'il voulait un beau gros socle. Donc lundi matin, j'ai appelé mon menuisier et je lui ai dit je voudrais un socle de ces dimensions. Et voilà, il m'a sorti ça dans la journée, donc ça s'est très bien passé. Mais je prends quand même son numéro parce qu'après, comme ça, il nous trimballe dans la ville, il nous emmène bouffer et tout, et puis il nous ramènera à l'aéroport. Par contre, combien on lui doit là? Non, il a la monnaie pour 500. Bon, c'est les corps encore, faut mieux faire. T'es quand même satisfait? Eh ouais, mais pas à 100%, tu vois, c'est casse-couille. Pareil, si tu veux des beaux jeans, c'est ceux-là. C'est les meilleurs jeans au monde. C'est extraordinaire. Tu les achètes, ils sont déjà comme ça. T'as l'impression qu'il est déjà, tu l'as déjà porté pendant 100 ans. Et bon, ça vaut, je sais pas, ça vaut 400 euros, ça vaut pas plus cher qu'un autre jean, quoi. Non? Putain, ah si, c'est... Ah non, c'est plus cher? Ouais. Ouais, que t'allais me dire, ouais, c'est pas cher et tout. Non, c'est super cher, 400 euros pour un jean. Ah ouais? T'en achètes un, le en acheter 3. Ouais. C'est tous ces gens qui viennent? Pour les... Tu sais, le problème, c'est que... Tu sais même plus qui va quoi, ouais. Tu sais même plus. Et on pétard parce que sa chambre est trop petite. Et que je suis tout seul. Tout seul, c'est triste. Oh putain, excuse-moi, mais putain. Non, c'est parce que ça, tu m'as laissé seul ce soir dans la chambre, plus rien à foutre. Oh Alain, faut que tu salues Alain, Diana. Habillé en genoux. Notre pilote. Ah, c'est pilote. Ouais. Ah, voilà, je te présente Diana qui a organisé tout ce truc. Alain, notre pilote. Salut, Diana. Magnifique. Non abbiamo un microfono con tutta questa tecnologia che abbiamo portato sull'isola. Ah no, potete continuare a bere però. T'as vu cette... C'est extraordinaire, t'as vu cette finesse? Regarde la transparence, tu as la transparence du marbre. Attends, t'as vu surtout, c'est ça qui est intriguant. T'as vu comment il parle là? Et regarde comment elle fait la forme, le marbre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la courbure là? Elle, c'est pas une plaque de marbre, c'est, tu vois ce que je veux dire? Ça fait comme ça, tu vois. Non mais là c'est une pause, c'est la première fois qu'il faisait ça. Regarde, on travaille le marbre. T'as vu, on voit à travers. J'adore ça. C'est comme ça. J'ai jamais vu ça. Mmh. Je te vois bien en boîte de nuit, toi. Non, mais je vais pas en boire, moi. Non, toi, tu viens. En boire? Tu vois, moi, je t'ai arrangé 4 bâtons. Il y a des choses, il y en a qui sont tout bien emballées, tout propres, oui. Et il y en a d'autres qui sont un peu sales ou abîmées. Il faudra les nettoyer un peu, tu sais, les cas avec l'éponge, de l'eau et du savon. Oui. Ça s'en va tout seul, j'ai vu des choses. Ça va être une très belle expo, hein, Peter. Ça va être fort, hein. Oui,
C'est le curateur, c'est le... On peut dire... Non, t'es quoi? T'es le responsable? Comment on dit? Directeur? Directeur, curateur. Directeur et curateur du musée. C'est Peter. Peter. Peter, attends, on va dessiner là. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Partir. Ça, ça viendra vendredi chez vous. Tous les jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a été partout chez récupérer les œuvres. Je te dis pas le truc de fou. Attends, c'est beau ça, hein, Peter. Marrant le chien. Et le grand, tu sais, j'ai un comme ça, mais plus grand. Je vais le mettre à Moscou. Parce que l'expo à Moscou, elle va commencer et ça sera pas fini chez vous. C'est bien parce qu'il y aura les deux en même temps à un moment donné. Très discret, mais c'est comme un, c'est un des centres historiques de l'avant-garde en Allemagne. Après votre message, faites 1 pour prestation. Kounelis, Richard Hamilton, Peter Blake, Marcel Duchamp, Clemente, Rainer. En fait, si on prend les noms à un, c'est quelque chose, c'est un panorama des plus grands artistes au XXe siècle. De petites biographies. C'est oui. Très intéressant. On ne peut pas traduire en allemand avec ce charme quand on dit on a commencé à peindre en 1985 à Paris et n'a jamais arrêté. C'est pas possible pour traduire ah bon? Avec ce sens charmant. Ce tableau m'a fasciné et c'est très intéressant parce qu'il est fait dans la tradition de la peinture de Lucian Freud et de Francis Bacon. Leider ist er noch nicht da. Er hatte fest zugesagt, bereits um 8 hier zu sein mit seinem Kanzler. Il faut l'embrasser. Attends. Faut vraiment que tu changes de mot, quoi. Elle s'est arrêtée. Bonjour, ça va? Ah, good. Ça va, Karina? Il n'a jamais arrêté, j'adore. Il n'a jamais arrêté, ça c'est bon, ça c'est bien.
Ah ouais, c'est ça, c'est énorme. Ça. C'est pas beau. Ah, ça, c'est une super idée, ça. Ah ouais, ça, c'est top. Non, mais tout. Ah ouais, ça, c'est une super idée, ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est... J'adore l'idée que le fleuve soit posé là, ouais. La signature sur le mur, l'idée, elle est dehors, tout est parfait. Le petit catalogue, là, c'est qui a une idée sur la signature? Ça, c'est très très beau. C'est Katharina? Yes, this is from you. Yes, this is from what you put in the back. Yes, it's from you. Ah, wow, j'adore. Encore une fois, Philippe s'est vraiment battu pour arriver à temps. Il a tout fait pour être ici ce soir. Attends, tu vas voir, c'est à cause de ça. De ça. Moi, je m'en fous, je prends 4 pages. Merci. J'ai raconté l'anecdote et ils sont encore arrivés. La vraie vérité, c'était la fausse en fait que tu nous as raconté tout à l'heure. J'arrive pour monter dans l'avion, je flippais, tu vois. Ça faisait trop longtemps. De monter dans l'avion. Ouais, ça faisait trop longtemps, tu vois. J'ai fait demi-tour, j'ai appelé le chauffeur, je dis on se casse, on s'en fout, on va au Bourget. J'ai appelé l'autre, j'ai dit vas-y, fais-moi venir un avion. On a pris le Falcon V, on est déboulé. C'est ça la réalité. Toi-même, on est dans un film, là, je jure. Bon, allez, on va manger. Allez, on y va. Ah ouais, c'est beau ça, c'est beau ça. Putain, et puis ça, c'est Pierre Restany qui l'a écrit, c'est une légende. Et puis ça, j'adore, à Paris, il n'a jamais arrêté. Dans ça, j'adore ça. Chaque tableau, même après quelques centaines, peu importe le nombre de tableaux, quand je commence un tableau, c'est comme si c'était la première fois. Si j'avais peur de quelque chose au début, c'était de me lasser. De me dire, mais finalement, peindre un visage, c'est peindre un visage. Hein. Ben non. Chaque visage, c'est un nouveau visage. C'est une première fois. Et ça, c'est génial.
Chaque fois, tu as une façon, tu découvres un truc, tu fais une couleur, un format, un cadrage, un visage, un nez. Ben non, c'est pas tu sais faire un visage, ben non, tu sais, chaque visage est différent. Un corps, c'est pareil, et ainsi de suite. Quoi. Faut que tu sentes le format en priorité, tu sens le format, tu te dis, bah tiens, là je vais faire ça, tu sais que je vais faire une tête, je vais faire un corps. Tout est lié. Le cadrage est très important. Si le cadrage est mauvais, que tu commences, tu viens d'un sublime truc, eh ben, le tableau ne sera pas bon. Quoi. Il faut pouvoir, bah tant pis, bah, tu le détruis. Soit tu recommences, soit tu en fais un autre. Je pense qu'il faut être aussi spontané, très très spontané. La technique c'est bien, mais bon. Je pense qu'on peut apprendre à dessiner, moi, mais on ne peut pas apprendre à peindre. Faire un tableau, c'est que de l'émotion. Toujours des nouvelles émotions. C'est même plus des gens que je peins, c'est des émotions. Je sais pas où ça me mène, peu importe. En tout cas, ça, c'est comme une thérapie. Ça me fait beaucoup de bien et c'est l'essentiel. Fixe celui-là, oui. On met les ailes, oui. Comme ça je me rends compte. Allez, alors vas-y, on met celui-là. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Pareil, c'est bien. Un c'est peu bien. Parfait. C'est un collecteur pour moi celui-là, parce que tu sais, il a la tache dans l'œil, on trouvera plus jamais ça.
Vas-y, Laura. T'as vu la voiture? Elle est sublime. Là, j'ai un choc. Ah non, j'y crois pas. Ouais, tu l'avais pas tout hein? Tu l'avais pas jamais. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, tu nous donnais l'arme aux yeux. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Oh non, mais c'est un choc. C'est un choc. T'es revenu, hein. Ouais, là, moi, je l'ai reconnu. Ouais, je l'ai reconnu. Je l'ai à côté. Je la reconnais. J'ai toujours considéré Philippe parce qu'il a fait des choses merveilleuses, surtout. Et il a commencé à me faire mon portrait. Et il a commencé à peindre mon visage, en fait. Il a commencé à peindre mon corps et tout. Moi, je suis là, je suis présente. Et lui aussi. Et je trouve ça génial qu'on puisse parler ensemble et tout. Et j'ai toujours... Ce moment-là, j'ai adoré. Je me sentais bien, j'ai adoré. Il m'a offert mes tableaux. Dans un petit cadre, en fait, que j'ai dans ma chambre et que je penserai toujours à lui plus tard. Je pense vraiment, je vais toujours penser à lui. C'est quelqu'un de fabuleux, parce que c'est déjà un prêtre pour moi et en même temps, je suis célèbre grâce à lui. C'est pas pour rien que je suis venue jusqu'ici. Alors, attends, parce qu'il faut trouver la bonne expression pour commencer, hein. Tu peux garder ça, Laura? Tu peux un peu lever la tête? Ça, on s'en fout, ouais, voilà. C'est bon. Comme ça, Laura. Ça peut être deux sculptures extraordinaires, ça. Imagine, t'arrives, t'as une sculpture ensemble, ça, la tête posée sur deux mains qui se coupent comme ça et qui tiennent avec rien. Qui sont juste tenues. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire les yeux ouverts, on peut faire la même un peu inclinée avec les yeux ouverts. Et celle-ci, tu me l'as fait avec les yeux fermés. J'adore les mains, là, j'adore les bras. C'est-à-dire retoucher quoi? Bah, si vous voulez les couleurs qui sont trop contrastées, si vous voulez gommer. Ah, ok, d'accord. Ok. Si vous voulez qu'on accentue le contraste, c'est pas ici, hein. On prend des détails. Ce détail là, tout le long il y a un trait violet. Oui. Il faudrait le passer pas dessus mais par exemple à côté, mais ça fasse comme un dégradé au-dessus, et vous refaites tout le mouvement du violet avec le fil, tout ce qui est violet, vous refaites le mouvement. On peut essayer de le tondre. Ouais, on va entendre un petit bout pour voilà, je vais voir ce que ça donne. C'est comme ça. C'est beaucoup plus lumineux. Oui, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Vous la jetez, la photocopie, vous prenez ça. Hein. Mais il faut déchirer la page, on s'en fout, vous prenez ça là-haut. Ah bah non. Je vous en donnerai d'autres, des livres. C'est juste qu'il faut faire, il faut travailler correctement. Si, c'est la peine. Voilà, on s'en fout. Alors, non, parce que là, c'est ça qui c'est important. Hein. Faites ça avec ça maintenant. Parce que je pense que vous avez. Vu le résultat, c'est sublime. Je pense que vous avez compris. Si vous prenez cette image, vous allez me contraster tout ça comme il faut. Hein. Donc, rajoutez un trait de rouge. Ouais. Pareil, là, voilà, c'est trop net, ça. Vous voyez, ce trait-là, il est trop net. Il n'y a pas de dégradé, celui-ci, précisément.
Là, en fait, ça part sur du violet. Voilà, mais là, c'est trop blanc. Je sais pas, voilà, peut-être qu'il faut enfoncer un peu cette partie. Là, il faut faire un dégradé comme ça, encore un peu plus comme ça, peut-être. Tu connais ? T'es grave toi. On se connaît, nous ? Bonjour. Une pose de verre, une pose de sac, et tu te trémousses, tu vois, tu te fous à poil et tu fais comme si t'étais allongé par terre, vas-y. Arrête ! Vas-y, 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 allonge-toi dessus. Regarde ta sœur, il faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Oh putain, t'es grave, t'es dégueulasse. J'adore. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça, mais on a eu 2-3 problèmes pour concrétiser et finaliser cette voiture. Donc ça a pris vraiment du temps. Les problèmes sont en train de se régler les uns après les autres. Et très bientôt, elle sera finie et accrochée au mur, ça c'est sûr et certain. Il faut apprendre à être patient, et pour qu'on veut que les choses soient super bien faites, il n'y a pas droit à l'erreur sur aucune des étapes de cette voiture. Tout est très très compliqué, que ce soit le choix de la peau, la commande de la peau, ensuite au gainage et ensuite au tatouage. Il n'y a pas droit à l'erreur parce qu'on ne peut pas foirer une partie puis on ne peut pas recommencer surtout. Ce sera fini pour moi, c'est quand elle sera accrochée au mur et ça serait juste énorme. Quoi. Ça va me faire marrer, ouais. Comme d'hab. Et si ça me fait marrer, c'est que ça me fait plaisir. C'est que c'est réussi, sinon ça ne me fait pas marrer. Sauf si, non, si je fais un as. Ah ouais, ça va. Oh. Tout est vachement important. Pourquoi je balade mes chiens tous les jours avec cette rigueur ? C'est pour pouvoir m'évader et réfléchir. D'abord, ça fait du bien à mes chiens, et en même temps, ça me permet de prendre du recul sur plein de choses. Même les soucis, des fois, ça fait une petite adrénaline, ça m'excite. Je suis vraiment un malade. Hein. Un jour, quelqu'un a vu les tableaux et il a dit que si je peignais pas, je serais un serial killer. C'était comme une thérapie, comme je sortais, tu vois. Mais ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que ça, moi, pour moi, je sais que c'est une vraie thérapie de peindre, c'est sûr. Quand tu peins, tu penses plus à rien, tu vois. Tu es dans une bulle, tu es hors du temps, tu es en dehors de tout. Il n'y a plus rien qui t'importe, on n'a plus rien à foutre de rien. Que tu aies des soucis ou que tu ailles bien, t'en fous. Juste, tu peins, c'est tout. Il n'y a plus rien qui compte.